étaient tous en forme, mais voilà qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui doivent garder le lit. Est-ce qu'ils vont mourir? Ça dépend de l'âge, grand-maman, grand-papa. Y a pas de chance à prendre, même si ça te tente pas. Pas question de s'enfuir, faut bien se conduire, il faut obéir. On voudrait sortir, aller magasiner, aller voir des amis, ou bien les inviter, mais ce serait du délire. Le virus est actif, la menace est réelle, il faut rester prudent dans le contexte actuel. Il vaut mieux prévenir, faut pas se ramollir, il faut obéir. Il faut pas qu'on désespère, je crois que il est passé, et c'est pas une mince affaire, et c'est pas encore terminé. Moi je m'ennuie de mes enfants, de mes petits-enfants, j'aimerais bien comme avant, les voir de temps en temps, mais c'est plate à mourir. Je ne veux pas prendre de chance pour pas me contaminer, je veux bien comprendre ça, mais c'est dur d'accepter qu'ils ne veuillent pas venir, et ça me déchire, c'est plate à mourir. J'espère que bientôt les règles sont assouplies, qu'on pourra faire enfin ce dont on a envie, que ça me fait plaisir. M'asseoir, regarder la télé, pincer ma guitare, me mettre à composer, pour vous divertir, ou peut-être vous faire rire, et me faire applaudir. Il faut pas qu'on désespère, je crois que le pire est passé, mais c'est pas une.